Bien, ben bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer notre voyage sur les parcs nationaux et je vais vous emmener au Arches National Park, qui est aussi dans l'Utah. On l'a fait juste avant Monument Valley. Alors donc, c'est un parc qui regroupe la plus grande quantité d'arches naturelles au monde. En fait, c'est encore une fois à cause des océans qui sont venus 3 ou 4 fois sur cet endroit. Donc, les roches se sont gorgées en fait de sel. Et ce sel, bon, avec le flux et le reflux des océans qui sont venus, qui sont repartis, etc., a fragilisé un petit peu la roche. Et ce qui fait en fait ces arches. Et à terme, en fait, ça continue à évoluer. Et à terme, tout doit s'écrouler. Avant, certainement, il y a des millions d'années, il y en avait des milliers et des milliers. Là, il y en a, oh, je dirais bien, une bonne centaine sur ce parc. Voilà. Eh bien, je vous laisse découvrir ces images magnifiques. Hein, je suis avec Sean. On a eu quelques petites péripéties avec l'eau, etc. Parce qu'il faisait très, très chaud. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Bye! Voilà, donc Sean est en train de vider le sac parce qu'il avait mis une bouteille d'eau dans le sac et en fait il l'avait pas bien fermé, ce qui fait que le sac est complètement mouillé et en plus c'est mon sac. Merci Sean, merci beaucoup. Bien voilà, et bien c'est la queue pour faire de l'eau. Et puis on a Sean qui est avec tout le monde. Donc c'est pour prendre de l'eau pour faire le hiking parce qu'il fait très très chaud ici. Il fait...
cette fameuse arche qu'on voit là-bas. Voilà, et bien là on va redescendre. Eh bien, j'espère que vous avez encore une fois apprécié cette vidéo. Alors, si vous l'avez vue, bien sûr, sur YouTube, encore une fois, vous n'oubliez pas, vous mettez un pouce comme ça. Si vous avez aimé, vous laissez des commentaires. Puis moi, je vous dis à une autre vidéo. On a très prochainement Canyonland qui devrait arriver, qui est aussi un autre parc national. Voilà, je vous dis au revoir. Bye bye.